à cette story. Oh, je te l'avais dit ou pas? J'avais confiance en nos Marvel, on les a défoncés ma gueule. Les Manchester United sont défoncés. Manchester United, on les a dead avec leur stade ultra faible même. Moi chez moi. Comment ça fait zizir de fou, je te raconte pas ma gueule. J'y croyais fort, ils m'ont pas déçu nos Marvel. Alors qu'il est légique s'ils doivent avoir le seum international. Et puis bon bah bien évidemment on a encore eu droit à un enfoiré d'arbitre. Mais laisse, ça c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude ma gueule. Tout qu'est-ce qui compte c'est qu'on l'a fait, ils m'ont pas déçu. Ils ont fait les guerriers potos, même que Marroquinho il a laissé une arcade sur le terrain ma gueule. Et tous les GX qui nous disaient ouais Cavani va ceci, va cela, Cavaniette, Cavanul, Cavaniche. Cavani il est parti en catimini chez l'ennemi qu'on humilie. Moi chez moi. Ah ouais j'ai oublié de te dire aussi par rapport à l'arbitre, depuis quand tu vas t'aimer à la VAR pour au final mettre un jaune, il est où l'exemple? Tu fous de ma gueule? On est tous d'accord là-dessus, ça a rien de discuter je pense. Et l'autre fils de flûte de Fred, comment il me vénère le huis. Le type il distribue des coups de tête normal, il s'écrit au checkson le mec. Heureusement il y a une justice, ça merde les popettes, heureusement. Parce qu'en vraie vérité, qu'est-ce que tu sais pas, c'est que Paredes lui il avait prévu de boire et tout le sang des Manchester Match avant le match. Heureusement t'as le coach et les autres coéquipiers qui l'ont dit on va se calmer, cette fois on va assurer le coup parce que sinon ça va pas le faire. Parce que tu te doutes bien que le Paredes s'il se serait pas allongé, il lui aurait directement envoyé un coup de plafond. Moi chez moi. Et non Marvel, comment il aura fait l'amour? Et eux bien évidemment ils lui ont encore fait des fautes. Il y en a un là avec sa tête d'enfant là. Comment il m'a vénéré lui? J'avais envie de lui marcher sur le visage avec des crampons. Parce que poto toi même tu sais que pour le bien de l'équipe faut pas répondre, faut rester calme, l'arbitre est là pour ça. Quoique nous en ce qui nous concerne les arbitres c'est même pas la peine, c'est pas la peine de compter sur eux. Mais poto là j'avais envie de rentrer dans la télé, c'était abusé. En plus lui Neymar Vel c'est toute l'année des fautes à répétition. Alors je veux bien que des fois il exagère, ok, mais là trop c'est trop. Non trop c'est trop pico. Non trop c'est trop les, je suis là pour vous troller. Reprenez vos joueurs, troller pour frotter les toilettes. Puisqu'il suffit d'être premier pour vous détrôner. Moi chez moi. Mbappé tard. Oh, Mbappé tard, je te reconnais plus, t'as géchant ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi faire? Mbappé tard, tu touches plus une bille. Mais comment se faire estesse? Ressaisis-toi ma gueule. En plus de ça, j'ai fait une chanson pour toi qui dort dans les tuyaux depuis des mois, poto. C'est pas bon. Donne-nous du love. Fais quelque chose. Attends, poto, je viens de recevoir un message. À qu'est-ce qui paraît que Neymar Vel, il a dit à un journaliste, je ne suis pas venu à Paris pour jouer l'Europa League. Et tu l'as prouvé ce soir Neymar Vel. Merci monsieur. Mais c'est ça qu'on veut. Ramène la coupe à la maison puis c'est tout. Voilà, c'est tout qu'est-ce que j'ai à dire. On a le number one dans nos rencontres Parigo. Il va leur faire du sale, il est trop chaud Parigo. Donc voilà, on a eu droit à une magnifique victoire. Je vais bien faire dodo ce soir ce. Vu que Titan et Rafinha, je suis une amoureux de vous. J'ai envie de vous faire plein de bisous. Quel kiff, quel kiff, mais quel kiff. J'étais en stress poto. Oh là là, je suis monté, je suis redescendu. J'étais en stress de fou. Mais fallait être patient. J'ai toujours cru en nos Marvel. On est finaliste de la Ligue des Champions. On a eu plein de matchs dans les dents avec plein de blessés et tout ça. Fallait juste être patient. On continue d'y croire. Il y aura pas d'Europa League. Et Cavanul, il a rien fait du tout. Alors ferme ta bouche d'égout. Mais vous avez été nul. En vérité, c'est juste de la chance. C'est tout. Avec ton équipe à un milliard là. De quoi il parle lui? S'il n'y a pas de pénalty, vous êtes incapable de marquer. Bande d'incapables. En tout cas, nous, on a brisé la malédiction. Et le vrai record, c'est pas l'OM qui l'a, c'est une équipe qui l'a fait en 1473. Mais elles sont incroyables, ces sardines, quel culot! Ouais, mais dis-le que t'as eu chaud aux fesses quand Cavani il a fait sa pichenette aussi, dis-le! Mais n'oublie pas que le PSG se surpasse lorsqu'il est au pied du mur et en parlant de mur, fonce dans le mur! Bécile! Bref, tous les supporters qui annonçaient un but de Cavani, merci, mais nous n'avons plus besoin de votre négativité. Je sais pas si vous avez capté, mais la dernière action de Neymar Vel m'a tout simplement choqué. Je suis fier de nos joueurs qui n'ont rien lâché et fait preuve de combativité. Au final, c'est un match qui nous a énormément fait stresser, mais on termine la soirée fier et satisfait. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, jeune freluquet, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Quant à vous, les GX, n'hésitez pas à lâcher un petit dislike, ça fait toujours zizir, you know. C'est tout pour moi, c'était AZ Story. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles dingueries. On connaît les bails. Salut!